grosse journée aujourd'hui. Je sais pas par où commencer, mais je vais vous expliquer. En gros, je gare ce monstre et après, je vous explique. On se retrouve dans les bureaux. Hey, salut tout le monde. Bon, c'est un petit peu fou aujourd'hui. Je sais même pas si vous avez entendu quand je suis avec la Cobra parce qu'on n'avait pas le microphone. Et aujourd'hui, on a la visite de la télévision française qui est venue filmer un épisode autour de Easy Import Auto. Et qu'est-ce qu'on fait justement ici? Et en plus, j'ai ici sur ma gauche Monsieur Gilles Coudert qui est un super ami et qui adore Easy Import Auto puisqu'on le voit assez souvent ici. Vous le connaissez sûrement, peut-être pas de nom, mais sûrement des émissions qu'il a produites en France comme Pékin Express et j'ose pas en dire trop parce que je pense que la liste est assez longue. Mais aujourd'hui, on va filmer quelque chose d'assez sympa. Donc, on va aller se balader avec la Cobra. On va aller acheter une Mustang pour nos amis de la chaîne Retromania qui sont venus en Floride pour filmer des belles images. Donc, je vais aller me changer, rafraîchir et ensuite, on y go, direction Pompano Beach pour acheter une magnifique Mustang. Allez, à tout à l'heure. Ouh, bon, je pense être un peu plus présentable que tout à l'heure. Je vais aussi vous présenter le présentateur de Retromania, l'émission. Il est là avec nous aujourd'hui et donc on va aller filmer. Donc un peu stress, un peu de pression, parce que le pire de tout, c'est qu'en plus aujourd'hui, je déménage. Donc déménagement, télévision, tournage, pas facile, mais on va s'en sortir. Et en plus, je viens de récupérer la Cobra qui déconne encore, puisque la fuel pump a changé. Et oui, vous, les professionnels des classic cars, vous savez tous que les voitures de collection, ça nécessite beaucoup d'entretien. Et c'est encore le cas pour aujourd'hui, pour le tournage. Je l'ai prise ce matin, un problème de fuel pump. Elle est allée au garage et il vient de me dire qu'il faut changer la fuel pump. Évidemment, pas le temps. Donc, je vais devoir rev constamment pour pas que la voiture cale. Mais on va s'en sortir. Tout va bien. Let's go. Chill. Bon, bah les voilà. Je vous les présente. Ils sont là en chair et en os. Ils sont venus de France pour faire une magnifique émission. Je vous présente Tom, le présentateur de l'émission Retromania sur Automoto, la chaîne. Donc, en compagnie de monsieur Nicolas Schumacher, également ici, champion du monde de Retromania, qui va filmer avec une magnifique caméra, nos, FSL, Sony. Voilà, nos petites aventures en Mustang et en Cobra. Nous ouvrir toutes les portes ici. Carrément, j'espère bien. Et on va aller justement voir pas mal de belles voitures chez Gateway Classics. Vous donner tous les secrets de ce qu'on est en train de filmer, sinon je vais me faire engueuler par les amis derrière. En tout cas, on fait pas mal de prises de vue avec les différentes voitures pour voir comment ça roule et on va discuter un petit peu autour du thème Mustang puisque c'est la voiture qu'on a acheté et aussi un petit peu de la Cobra puisque c'est la voiture un peu guest. Je suis allé le récupérer à l'hôtel avec la Cobra et ils ont vachement adoré parce que c'est assez sympa. Bon, on va aller voir une magnifique Fairlane chez Gateway Classics. Et on va voir si Thomas veut prendre cette Fairlane. Il a d'autres idées en tête, mais je ne sais pas. Thomas, qu'est-ce que t'en dis? Bah écoute, il faut la voir en vrai. Moi, je ne juge que sur pièce. Sur photo, c'est difficile de se faire des idées. Je sais qu'aux États-Unis, on achète beaucoup par Internet, mais moi, j'ai pas vraiment cette habitude. Donc, on va aller la voir tous les deux. Et puis, je pense qu'on devrait en prendre plein la vue, en tout cas là-bas. Ouais, il y a des belles choses là-bas. Tu as bien sélectionné ta voiture. Donc, c'est l'une ou l'autre, de toute façon. Mustang ou Fairlane? Qu'est-ce que t'en penses? Mon cœur balance, mais je pense que mon choix va vite être fait. Ouais, ouais. Cool. Donc voilà, on s'éclate. Journée traditionnelle ici avec monsieur Choumi, ici. J'ai pas les clés. Voilà, qui n'a pas les clés. Qui a oublié les clés là. C'est-à-dire qu'ils ont le décalage horaire, donc ils sont un petit peu perdus. On est un peu ralenti. Voilà, mais malgré tout, magnifique jusqu'à présent, ouais, on s'éclate bien. Mais ça va toi, Thomas, qu'est-ce que t'en penses de la Cobra? Ça t'a secoué un petit peu?
ça, c'est une pompe à feu ton truc. T'as vu ça botte le cul comme on dit. Moi je trouve aussi. Ouais. Et encore tu m'as dit que t'avais dégonflé le moteur parce que le moteur 427 d'origine avant. Était beaucoup trop c'est puissant. C'est trop puissant pour la voiture, elle est trop légère donc je suis assez content du 350. Ça c'est hallucinant ça. T'imagines que tu te fais peur avec un moteur d'origine alors t'es obligé de le dégonfler. Ouais. Mais au moins maintenant c'est plus ou moins contrôlable. Voilà, donc on continue les aventures et on se retrouve chez Gateway. À tout à l'heure. Bon, on est arrivé chez Gateway Classics. Nicolas va choisir une voiture. Il y a des barrières classiques. Hein. Elle était pas mal celle-là du tout. So, on va les nourrir avec un burger, puis ensuite on va vraiment chez Gateway Classics. That's it, Gateway Classics. On est arrivé. Ce qui est cool ici, encore une fois, vous avez vu le dernier épisode qu'on avait fait avec le Apache jaune, ça a été acheté chez Gateway Classics également. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de choses en stock. Regardez-le là-bas. Bon, on est avec Thomas ici. On a fait le tour. Il y a des choses absolument magnifiques. Parce qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Des énormes V8, des voitures préparées, des customs, des pick-up, des allemandes, des anglaises, des italiennes. On ne sait même plus où tourner la tête chez Gateways. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont un stock qui est constamment en mouvement. Puisque c'est du dépôt-vente. Donc on a fait le tour avec Thomas. Il n'a rien trouvé d'excitant par rapport à son vrai coup de foudre qu'il recherche. Donc finalement, on va aller sûrement dans une autre concession puisqu'il avait repéré une Mustang assez sympa. On va aller la voir et on va voir si elle est disponible et on va faire la transaction. Mais il y a vraiment des choses incroyables. Et moi, cette fastback ici, elle vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, elle m'excite. Je n'ai jamais vu une fastback jaune avec des bandes noires. Je trouve ça assez spécial. C'est très spécial, hein, c'est particulier. On a massacré le look Mustang puisque c'est tout custom. Mais franchement, ça a été fait avec goût, quoi. Que ce soit les jantes American Racing en noir et chrome, le rappel des chromes et noirs, etc. Enfin, j'adore. C'est vraiment beau. Elle a un look super agressif. Waouh. Qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est spécial, hein. J'avoue, c'est spécial. On va voir c'est quoi son prix d'ailleurs. Parce qu'ici. Ah ouais, d'accord. 95 000 $. 328 GTS, 75 000 $. Et par contre, elle est dans un état tip top. Même le cuir, on dirait qu'il est neuf. Waouh! Magnifique. Et puis ensuite, vous avez vu le gabarit de ce bolide, 275 000 $. 275 000 $. 1934. Par contre, vous savez, j'aime bien les trucs un peu extrémistes. C'est un peu mon dada. Et quand je vois ça, là, je deviens très content. Mais ça, c'est une usine à gaz qui doit produire, à mon avis, pas loin des 700 et 800 chevaux. On va voir ça d'ailleurs. Alors déjà le moteur c'est un 461 beige, intérieur beige, elle est toute neuve, elle est nickel. Waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ouais, vous l'aurez compris, il y a absolument de tout ici. Bon Thomas, on n'a pas trouvé de voiture. Non, c'est un truc de ouf ton garage là. C'est beau hein. Magnifique. Franchement, merci pour la découverte parce que je suis ravi. En Europe tu peux pas voir ça en fait. Une telle concentration de voitures chez un vendeur pas particulier mais chez un garage ou hors d'une vente aux enchères. Ouais. Qui a eu un rassemblement de voitures pour une vente aux enchères, sauf qu'en fait non, c'est un dealer. Ce qui est fou, c'est la c'est diversité. Ouvert tous les jours, il y a de la diversité. Il y a tout, regarde. Mercedes, il y a de la Corvette, BMW, Porsche, Porsche 944, 1934 Packard. Tu vas pas en voir beaucoup de ce genre de bagnole. Et puis ouais, il y en a pour tous les goûts en fait. Il y a pour le cruising en Floride, ouais. Pour les bagues dans les parcs nationaux, c'est. Alors tu vois, ça c'est vraiment mon style. C'est le gros muscle car américain, rabaissé, bien large, t'enlèves les chromes, vite teinté, grosse jante, il doit démarrer. Ça doit être lourd, tu vois. Ça doit vraiment. T'as une sensation de conduire de puissance. Une grosse voiture. Ouais, ouais. T'as la puissance, t'as la largeur, l'épaisseur de la voiture. Tu sais, elle est posée au sol. J'aime beaucoup ce genre de voiture. Malheureusement, quand c'est customisé comme ça en France, ils les acceptent pas. Donc, Ouais, parce que le problème quand on achète une voiture aux États-Unis, c'est de pouvoir la ramener en France et de l'homologuer parce que
Bah, il faut qu'elle soit d'origine concrètement, plus ou moins. T'as le droit à quelques petites modifs, mais si c'est trop modifié, là c'est foutu. Bah, en fait, aux États-Unis, il n'y a pas de contrôle technique déjà pour les voitures. Donc on peut les modifier comme on veut, pourvu que ça roule droit et que ça freine. C'est exactement ça. Beaucoup plus drastique, donc effectivement. Mais ça reste bien flexible, mine de rien, parce qu'ils veulent effectivement que la voiture elle soit dans son jus d'origine. T'as le droit de changer de moteur, tu vois, même s'il n'est pas d'origine, t'as le droit de changer de moteur. T'as le droit de convertir des freins tambour à disque, mais tu n'as pas le droit de modifier le look extérieur. Voilà. Tu peux pas lui mettre un compresseur de 900 chevaux sur une voiture qui est techniquement juste un V8 de 300 chevaux. Ça, t'as pas le droit. Et aux États-Unis, on le fait. Donc après, il y en a certains qui abusent un peu. Ils le font aussi. Et qui le font. Ils le font aussi. Bref, on n'a pas trouvé la voiture pour Tom. Donc on va aller dans un autre garage. Dans un autre garage, et j'espère qu'il va trouver la bonne Mustang. Remplacé par un 5.0 qui est celui d'une Mustang de 1995. Écoute, comme je t'avais dit l'autre fois, la grande majorité des clients ne viennent pas voir leur voiture. Et la beauté aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même une belle transparence. C'est-à-dire qu'ils vont non seulement prendre une vidéo de la voiture, mais ils vont prendre énormément de photos, même des sous-bassements et de sous tous les angles. Donc concrètement, tu n'as pas forcément besoin de venir, parce que tu as maximum d'informations directement ici. C'est pas de la classique, mais c'est bon aussi. On est chez Jumbo ici, et chez Jumbo, ils font que de la voiture exotique. En revanche, je parlais avec le patron, puisque je les connais assez bien, et il me disait qu'il avait une superbe Mustang à vendre. C'était une espèce de reprise, et on est là pour aller l'inspecter. Donc j'espère que Thomas va tomber sous le charme de la Mustang. On attend parce qu'elle est tout au fond là-bas. Thomas, t'es chaud là? Ouais, mais j'ai l'impression que t'es un peu foutu de moi quand même, parce que quand je vois les voitures qui m'attendent, et le prix des voitures, on s'est complètement trompé de budget là. Ils font pas de voitures anciennes, mais occasionnellement ils ont aussi des belles voitures de collection, parce que c'est des reprises, tu vois. Quand t'as envie d'acheter une Rolls, c'est que toi t'as une belle Mustang ou j'en sais rien, tu leur donnes la Mustang, ils te la reprennent à la valeur du marché, et puis tu complètes, tu t'achètes ta voiture. Donc je me suis dit que ça vaut quand même la peine d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont, et cette Mustang, à mon avis, elle va te plaire parce qu'elle est super attractive en termes de prix. Elle est à 19 000 $. C'est un V8 289 cabriolet avec capote électrique. Elle tourne relativement bien. Elle n'est pas restaurée totalement, mais elle est en bon état. Donc on va aller voir ça ensemble et j'espère qu'on va se la faire. T'es chaud ? Allez, go ! You like the car? Yeah. We liked it. Good. It's good. There's a lot of positive points. Tell me. There's a lot of stuff that we know we have to spend some money on, because this from the paint, the soft top, and a bunch of other stuff to do. Listen, guys, I'm advertising it for way more, but I'm ready to do a deal at 19. Deal? Yes. Bye, Thomas. Congratulations. Merci. Il est temps de terminer cet épisode aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on est en train de terminer les quelques dernières images. Le deal s'est fait, 19 000 $ pour cette Ford Mustang V8 289 cabriolet. Dans son jus, aucune trace de rouille perforante, aucune trace d'accident, une voiture qui est saine. Et je pense qu'à 19 000 $, Thomas a fait une superbe affaire. Alors, congratulations to you, Thomas. Je suis très content que tu t'aies acheté une belle voiture. Et d'ailleurs, il est tellement excité qu'il est parti en drift. En tout cas, merci à vous tous de nous regarder. Si vous aimez nos épisodes, souscrivez et commentez ci-dessous pour nous dire
qu'est-ce que vous voudriez voir? On remercie monsieur Nicolas Schumacher de Automoto, la chaîne, et Retromania d'être venu ici. Oui, Retromania, effectivement, ouais. On est un petit peu fatigué. Il est temps de vous dire au revoir. Merci de nous regarder. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et nous, on y va en Mustang. Ciao tout le monde.